Bonjour, dans cette capsule, je vais vous présenter le partage de documents dans Microsoft OneDrive. Donc, pour commencer, pour partager un document à partir de votre espace OneDrive, vous allez vous diriger vers le document à partager. Puis, vous allez cliquer ici sur la flèche de partage. Donc, il y a une boîte de dialogue qui apparaît et vous allez ici soit saisir le nom de la personne à qui vous voulez partager le document ou l'adresse courriel. Ensuite, pour modifier les paramètres de partage, vous allez vous rendre ici, cliquer sur la flèche, et vous avez les différents paramètres de partage. Entre autres, ici, pour qu'une personne puisse modifier le document, s'assurer que la case à cocher est cochée. Et si vous voulez que la personne ait seulement accès au mode lecture du document, donc simplement décocher cette case. Une fois que les paramètres de partage vous conviennent, vous allez cliquer ici sur Appliquer. Et finalement, pour envoyer le lien de partage, on va cliquer sur Envoyer. Donc voilà, ici j'ai la confirmation que mon lien a bien été envoyé. Ensuite, pour connaître la confidentialité d'un document. Donc, toujours à partir de votre espace OneDrive, vous allez vous rendre ici dans la colonne Partage et vous pouvez voir si un document a été est partagé ou est privé. Donc, quand il est partagé avec d'autres personnes et privé, il y a seulement vous qui pouvez avoir à voir ce document-là. Finalement, pour accéder au document partagé, vous allez vous rendre ici dans votre espace OneDrive partagé. Et sous l'onglet Partager avec vous, vous voyez les documents qui sont partagés avec vous et créés par d'autres personnes, donc les documents ou les dossiers. Donc avec la date de partage et la personne qui l'a partagé avec vous. Et sous l'onglet Partager par vous, eh bien, vous avez les documents que vous avez créés, l'emplacement et la dernière personne à l'avoir modifié. Donc voilà, j'espère que vous avez appris plus d'informations sur le partage de fichiers et de documents sur Microsoft OneDrive.